Où c'est qu'on s'en va? À la belle, où est-ce qu'on s'en va, maman? Te demande une question. On s'en va se promener en raquette. C'est la première fois que les filles portent des raquettes. Moi aussi. Ben, pas pour la vie, là, mais je veux dire, depuis qu'on les a, parce qu'on les a eu à Noël. Puis Olivier, il est bien en étouffé. Puis il fait de dos. C'est une photo. Hein? Mais c'est ça? Une pareille photo? Voici qu'on écoute réponse. Salut! Alors, premièrement, excusez-moi ma tête de femme qui sort de la douche, mais c'est ça. Le temps des fêtes, c'est se coucher tard et ne pas se laver le soir parce qu'on est trop brûlé. Et quand on a des enfants, eh bien, on se couche déjà trop tard, donc voilà. J'ai décidé de vous montrer ce que j'ai reçu à Noël. Que c'est pas grand chose, mais ceux qui écoutent mes vlogs, j'aime ça leur donner des privilèges. Donc je vais vous montrer ça. Ma demi-sœur m'a donné une carte du Bouclair. Mon grand frère m'a donné une carte du Winners. Ma mère elle m'a donné des sous. Puis aussi elle m'a donné un certificat cadeau pour aller au spa nordique. Fait que, en tout cas, c'est ça, là. Je suis pas capable d'ouvrir. Bref, pour aller au spa nordique. Donc, moi et mon mari, on va pouvoir aller se gâter là. Puis, elle m'avait donné des petits Ferrero Rocher comme ça. Mon papa, il m'a donné le Daisy de Marc Jacobs. Avec sa femme, parce que c'est ça que je leur avais demandé. Puis, on a fait un échange de cadeaux, puis j'ai demandé Harry Potter 1, 2, 3 en DVD parce que je l'avais juste en cassette, puis mon vidéo cassette il est brisé. Fait que j'ai reçu le 1, 2, 3, sauf que le 1, 2, c'était écrit dessus que les langues c'était anglais puis français, sauf que finalement c'était anglais puis espagnol. Fait que je suis allée le faire changer. Sauf qu'il n'y avait plus. Parce que c'est comme un paquet du 1 et 2 en même temps. Fait que il l'avait plus. Fait que finalement, je l'ai commandé sur internet le 1, 2, 3. Parce qu'il n'y avait plus du 1, 2, bref. Puis je pouvais pas les acheter séparément parce qu'il n'y en avait plus non plus. Fait que c'est ça. Puis j'ai reçu aussi... J'ai reçu de l'auteur qui a fait Harry Potter, là, le livre L'appel du coucou. Puis elle avait choisi un pseudonyme, sauf qu'il se vendait pas, fait que finalement elle a décidé de dire que c'était elle qui l'avait écrit, fait que j'ai vraiment hâte de le lire. En fait, je me l'étais acheté, mais je me souvenais pas que je l'avais mis sur ma liste de d'échange. Fait que c'est ça, je l'ai reçu, fait que moi j'ai donné lui que j'avais acheté à ma belle-sœur, vu qu'elle aime ça beaucoup lire. Puis j'ai gardé celui-là. Fait que ça, c'est ce que j'ai eu pour mon échange. Puis j'ai eu le petit emporte-pièce pour faire mes beignes parce que c'est mon oncle qui m'a tiré au fond pour l'échange. Puis vu qu'à chaque année, je leur emprunte le petit emporte-pièce, ben,
Ils m'en ont acheté un. Fait que c'est ça que j'ai reçu dans les trucs que j'ai en haut. Fait que là, je vais aller vous montrer ce que j'ai reçu qui est en bas. Puis mon mari, au fond, on s'était dit qu'on se faisait pas de cadeaux. Florence adore, je vais pas la réveiller. Mais c'est ça, on s'était dit qu'on se donnait pas de cadeaux. Finalement, finalement, moi j'ai acheté un manteau pis tout ça. Fait que là, il dit qu'il voulait m'acheter quelque chose. Fait qu'on a profité du Boxing Day au fond. Chez Walmart, il y avait la saison, dans le fond, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Partie 1, 6, partie 2 de Sex and the City. Puis, elle était à 6,97. Fait que j'ai pris toutes les saisons. Fait que ça a été ça, mon cadeau de mon mari. Puis, il m'a commandé aussi la palette de Judy, de It's Judy Time. C'est une palette BH cosmétique. Puis, de mon papa, mais ça, j'avais demandé des raquettes. Pour qu'on puisse aller faire la raquette. Fait que c'est ça qu'on a reçu. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça qu'on a reçu, puis mon mari est allé au Boxing Day acheter ce gros traîneau-là, qu'on voit pas bien. En tout cas, ce traîneau-là pour... puis genre, fait un harnais lui-même, en tout cas la grosse corde qu'on voit tout à rouler. Fait que, anyway, vous l'avez vu dans le vlog que j'ai fait, qu'on est allé en faire. Fait que c'est ça pour le cadeau que mon père m'a donné. Il m'a donné plein de bas, puis en tout cas plein de petites affaires dans mon bas de Noël. Puis mon grand frère, ben j'avais demandé une bouilloire. Parce que la mienne, le couvercle fermait plus comme le spring ou je sais pas quoi, il avait lâché. Fait que ça fermait plus, fait que c'était quand même dangereux là, pour se bouillanter. Fait que c'est pas mal ça pour ce que j'ai reçu. Je vous dirais, puis du côté à mon chum, ben son père nous a donné de l'argent, puis sa mère aussi. Ah oui! Puis la sœur à mon chum, elle m'avait demandé qu'est-ce que je voulais. Fait que je lui ai demandé des thés comme relaxants. Fait qu'elle m'a acheté le thé de Jessie. Elle m'a acheté une tisane à la rescousse de maman. Puis nuit de rêve. Fait que je suis vraiment contente. Puis elle nous a acheté aussi un petit infuseur comme ça là, parce que j'en avais plus, comme j'avais dit dans une de mes vidéos. Fait que c'est ça que j'ai reçu pour Noël. Je suis vraiment contente. Surtout des affaires qui vont m'être utiles. Là. Fait que voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes cadeaux. Fait que là, je suis comme en train d'exporter la vidéo de mon cinquième make-up des fêtes. Puis j'espère vraiment être à temps avant demain, puisque là on est le 30. Et que c'est ça, j'ai déjà défait mes décorations de Noël parce que on était censé faire la céramique aujourd'hui. Mais, comble de malheur, parce que, au fond, la place où on prend nos matériaux, mon père, quand il s'est construit sa maison, il a tout acheté ces matériaux-là, ou presque. Mais en tout cas, tous les matériaux de base, il les a pris là. Puis le monsieur de la quincaillerie, au fond, il fait un rabais d'entrepreneur. Fait que quand on a des choses de base, genre le plancher, des planches ou la tuyauterie, des affaires comme ça, ben, c'est mon père qui y va pour que ça nous coûte moins cher, pour qu'on ait vraiment le meilleur deal. Fait que il est allé aujourd'hui, sauf que le monsieur il travaillait pas, puis il revient juste le 6 janvier. Fait que là, je suis full découragée, mais bon. Là, mon mari est allé chercher notre plafond suspendu au Rona, fait que tantôt on va faire ça. Qui va en bas, fait que je suis trop contente là. Parce que je suis trop contente là, mon sous-sol va être... Qu'est-ce que tu fais? Notre sous-sol il va être enfin fini. Ou presque. Fait que... je suis vraiment heureuse de ça. Bon, je regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir pour souper. Je ne sais pas trop. Ah, mon chum a aussi trouvé ça au Boxing Day. C'était genre 5$ au lieu de 15$. Puis c'est vraiment... ça va super bien, là. C'est pour de la marque Anchor. Au fond, le plat, pas le couvercle, là, mais le plat, il va au four grand, au four, dans le congélateur, dans le frigo.
Fait que c'est vraiment pratique. Au fond, tout ce qui va pas dans le four conventionnel, genre, c'est le couvercle, mais sinon, ça va tout dans le micro-ondes, tout ça. Fait que c'est vraiment pratique. Là, je croche, mais je pense que je vais faire du poisson. Puis je vais peut-être essayer de faire des patates grecques avec une nouvelle recette, genre. Ouais. Ok, c'est ça. Il me semble que j'ai tout le temps un background hyper laid, là. Mais bon. Je suis en train de faire mes patates grecques, puis j'ai décidé d'essayer la recette que ma belle-mère a fait. Qu'elle a dit qu'elle mettait du jus de citron. Je sais pas si j'en ai mis trop, mais bon. Première essai, hein. Puis je vais mettre du jus de citron. Elle m'a dit de mettre de la mayo. Pas de la mayo. Ouais, de la mayo, mais de la moutarde. De l'huile. Moi, j'utilise de l'huile d'olive. Après ça. On m'a dit d'utiliser les épices à beefsteak comme ça. Puis nous autres, on a des épices grecques. Fait que je vais rajouter ça aussi. J'essaye ça et ça. Moi, je mettais déjà du paprika. On va en mettre. J'aurais voulu de la moutarde sèche. Mais j'en ai pas. Je crois. C'est un manque ça dans ma cuisine. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben je vais mettre du persil. Ça nous a quasiment pu, là. C'est nous qui l'avions fait nous-mêmes. Au fond, on avait utilisé nos herbes qu'on a dans le jardin. Puis on avait juste. Faites sécher au four, puis c'est ça. Puis il va manquer la mayo. No big deal. This is no big deal. This is how we do. J'en mettrai pas trop. On va voir à quoi le mélange ressemble. Au fond, je vais me faire un saumon. Je vais faire ça avec du bacon, puis des oignons, puis du sirop d'érable. Ça va être juste excellent au four. Fait que c'est un filet de saumon comme ça. Mon petit Louis est tellement fatigué. Regardez, il est en train de s'endormir. Assis comme ça. Bon, là, c'est comme trop petit. J'ai oublié de vous montrer quoi ça a l'air. Au fond, j'ai mis le saumon. Après ça, j'ai mis du poivre. Après ça, j'ai mis mon sirop d'érable. Ensuite, j'ai mis tous mes oignons. Puis par-dessus, je mets du bacon. Là, j'envoie ça au four à 400. Et voici ce que donnent mes patates une fois mélangées. Donc, je vais vous montrer ça une fois que ça va être cuit. Et je pense que je vais faire ça avec une salade. Je suis pas trop assaisonnée à quoi encore, là. Mais ouais, une salade. Peut-être avec de la balsamique, on va voir. Les patatons, là, de ça. Moi, c'est moi qui l'ai fait dans mon cadeau. Alors, se le met, sinon se vole ton cadeau. Et ça, c'est le saumon une fois cuit. Non, 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 pas tout de suite. Chin chin! Chim chim. Chim chim. Chim. Papa, chim. Chim, les amours. Bon appétit. Chim, santé. Santé. C'est bon? C'est bon. C'est-tu bon, Flo-Flo? Oui, hein? Miam! C'est bon, Annabelle? C'est bon.
Bonne année. Bonne année. Dans deux jours, on va encore fêter une année. Dans deux jours, ça va passer. Oui, je te filme. Déjeuner où il prend 6 ans. Ok, donne à papa par exemple maintenant, ok? Merci. Les filles! On s'en va jouer au quilles! On s'en va jouer au quilles! Oui! Wouhou! Ouais, fait qu'on s'en va jouer aux petites quilles avec les enfants. Puis après ça, on va retourner à la maison parce qu'il fait vraiment trop froid. On aurait aimé ça jouer dehors plus pendant les vacances de Noël, mais il fait vraiment trop froid là, avec les enfants. Fait qu'on a décidé qu'on s'en allait jouer aux quilles aujourd'hui. Ce matin, en fait, là, on va aller jouer juste une partie, puis après ça, on va retourner à la maison, là, aller dîner. Parce que là, il est déjà rendu midi, mais on a déjeuné tard, on a déjeuné à 10h. Fait que c'est ça pour le plan de la journée, hein, les filles? Oui! Oui, fait qu'on va refilmer tantôt pendant qu'on va jouer aux quilles. Oui, tantôt. Youpi! Youhou! Oh, elle se rendra pas. Prends-en une autre, mon amour. Ben, fais-y. Fais-la rouler en premier. Go, 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 go! Vite, 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 faut qu'elle se rende avant que ce soit l'autre coup, sinon ça va commencer. Hey, ma main elle shake tellement j'ai frette. T'aimes-tu ça, ma fille? T'aimes-tu ça, ma fille? T'aimes-tu ça? Wouhou! Attends, Florence. On laisse les boules là, c'est maman qui va s'en occuper. Ouais, ben tu fais de réserve pareil. Maman est bonne, hein? C'est maman la vraie championne de quilles. La championne de quilles. Ça, ouais. Bien forte. Bon, fait que je reviens du Winners du Boucler. J'ai rien trouvé au Winners, mais au Michent, là. Parce qu'au fond, c'est ça, j'avais reçu des cartes cadeaux, comme vous savez déjà là. Puis au Boucler, j'ai trouvé ces choses-là. Fait que premièrement, mon chum voulait qu'on prenne cette bougie-là qui comme commence dans le brun puis qui finit dans le bleu pour qu'on mette dans notre salle de bain en bas. Après ça, j'ai trouvé ça ici, que c'est comme des faux livres en espèce de comme couleur argent là. Après ça, j'ai pris ce petit séparateur-là pour mettre mes palettes dans ma chambre. J'ai pris la petite tour Eiffel juste ici et juste ici là, la petite bougie qui est comme dans une affaire aussi argent. Que voilà, au fond, la tour Eiffel. Je pense qu'elle était 14,99. Ça ici, ou bien ça, c'était... En tout cas, je suis mêlée là.
La bougie était 7,99. Ok, je vais recommencer pour vous dire. Bon. La tour Eiffel était 16,99. La petite bougie à côté était 5,99. Cette grosse bougie-là était 7,99. Le truc de livre, c'était 14,99. Puis ce truc-là, c'est à 11,99. Mais je crois que je l'ai payé juste 8,99. Bon, je vais regarder. Ouais, c'est ça. Je l'ai payé juste 8,99 au lieu de 11,99. Fait que voilà mes petits achats. Puis là, au fond, mon vlog va se terminer ainsi. Parce que ben c'est ça, au fond, je vous ai fait un vlog surprise là avec toutes les journées qui restaient du mois de décembre. Puis là, on est rendu en janvier, là, mais pour le reste des vacances. Fait que là, je vais vous montrer une dernière affaire. Au fond, c'est qu'on est en train de faire le plafond. Puis je suis tellement contente, là. Enfin, j'ai un plafond. C'est magnifique. Qu'on voit plus les fils comme ça, là. Oh my god. Ça fait tellement propre. Ça fait fini. Ça fait du bien. Fait que là, c'est sûr que c'est le bordel parce que ça fait comme plein de petits copeaux de bois à terre, là. Mais, une fois que ça va être fini, ça va être fini. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis les objets que j'ai achetés au fond. Les objets que j'ai achetés chez Bouclair, c'est parce que ici à l'autre bout, là, je vais avoir une grosse bibliothèque. Puis je vais tout mettre mes livres dedans. Qui va vraiment partir d'en bas jusqu'en haut. Puis je vais mettre des accessoires dans ma bibliothèque. Fait que ça va faire partie des trucs que je vais mettre là-dedans. Puis je vais vraiment séparer tous mes livres comme par catégorie. Là, c'est le bordel, mais bon, du linge que j'ai plié. J'ai déjà commencé. Je pense avoir l'air de ça. C'est mon mari qui a fait le dessin, là. Mais ça va ressembler à ça. Puis j'ai déjà commencé à placer mes livres, tout ça. Genre, j'ai fait un inventaire avec plein de catégories. Puis là, je vais vraiment toutes les écrire dedans parce que je veux vraiment les séparer par catégorie pour avoir l'inventaire le plus à jour possible. Parce que, ben, premièrement, je veux les serrer par groupe comme le fantastique. Là. La grosse boîte là-bas que les livres débordent. Ça, c'est du fantastique. C'est les livres préférés à moi et mon mari de ce genre-là. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais tout séparer par catégorie, puis je vais avoir, tu sais, une section, mettons, à lire. Donc, les livres que j'achète d'avance puis que je veux lire. Je vais avoir une section, je sais pas, moi, psychologie, philosophie, littérature, fantastique, roman d'amour, roman policier, tout ça. Fait que vraiment, tout comme séparé. Puis, pourquoi que je voulais faire un inventaire avec tous les noms et etc.? C'est parce que vu que j'en ai beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'en empruntent. Puis souvent, mais je viens que je sais plus à qui que j'ai prêté les livres. Fait que je veux avoir un inventaire. Fait que c'est ça au fond, j'ai l'impression de te parler puis de répéter ce que je dis, mais je veux vraiment que ce soit inscrit quand je prête un livre à quelqu'un. Comme ça, je vais être sûre que je sais de qui à qui je l'ai prêté puis que aussi il va m'être retourné. Là. Fait que pour pas le chercher. Fait que c'est ça. Puis là, là c'est vraiment le bordel, là. Tout du linge à ramasser parce qu'on vient de rentrer. C'est ça, ce matin, on est allé magasiner. Mais, qu'est-ce que je venais à... Ah oui, c'est ça. On était censé faire la céramique cette semaine pour que... Parce que, au fond, mon père... C'est pas mal ça qui va terminer mon vlog. J'espère que ça va vous avoir plu. J'espère que ça durera pas trop longtemps. Je sens que ça va être quand même assez long, mais bon. C'est vraiment juste des petites parties de mes journées parce qu'on a été occupés comme jamais. Je suis même pas reposée dans le fond des vacances, là, c'est fou. Puis là, l'année vient de commencer, puis c'est reparti en grand, fait que c'est ça. Donc, je sais pas si je l'ai déjà fait non plus parce que je suis tellement perdue, mais je vous souhaite une bonne année.
Puis j'espère que vous avez passé du bon temps en famille ou avec vos proches, vos amis. J'espère que 2014 vous apportera beaucoup de bonheur, de santé, d'amour et que vous réaliserez des rêves, des projets, n'importe quoi que vous désirez réaliser. J'espère que 2014 sera vraiment une année enrichissante pour vous. Donc, je vous souhaite de tout mon cœur que 2014 soit l'année la plus belle de votre vie. Alors, on se dit à la prochaine. Bye!